Depuis le début de la campagne Octobre Rose, édition 2024, de nombreuses structures hospitalières privées du Grand Libreville joignent leurs forces à celles des établissements sanitaires publics afin de procéder efficacement à la campagne de dépistage contre les cancers féminins. C'est le cas ici, à Mindoubé 2, dans le 5e arrondissement de Libreville. Durant ce mois d'octobre, la clinique a prévu des dépistages gratuits, notamment du cancer du sein et du col de l'utérus. Voilà. Alors, nous demandons à toute la population féminine, toutes tranches d'âge confondues, de se rendre massivement à la clinique Malanda et dans les différents centres de santé afin de procéder au dépistage du cancer du sein, durant lesquels également nous allons profiter à faire de l'éducation et de la sensibilisation sur l'autopalpation en ce qui concerne le cancer du sein et également profiter par la même occasion pour celles qui feront le déplacement de faire des dépistages du cancer du col de l'utérus une fois sur place. Afin de réduire l'ampleur et l'impact de cette maladie, il est conseillé de prendre en compte certaines mesures préventives. Les cancers féminins sont un problème de santé publique, que ce soit en Afrique ou alors dans le monde. Du coup, le mois d'octobre, c'est vraiment la période durant laquelle on profite pour vraiment mettre l'accent sur la sensibilisation et sur les dépistages en ce qui concerne les cancers féminins. Ça ne concerne pas que le mois d'octobre, c'est toute l'année, mais durant le mois d'octobre, nous invitons davantage les femmes à faire le déplacement afin de se faire dépister. Plus tôt le cancer il est diagnostiqué, mieux c'est. Comme le dit l'adage, la vie est dans la santé et non dans l'existence. Occasion de rappeler aux concernés qu'il est essentiel de se faire dépister pour pouvoir se soigner à temps en cas de détection d'un des cancers féminins.